Bonjour à tous, je vais vous présenter comment réaliser un instrument basique, audio et vidéo en peu de temps avec le SDK de la Metamallet 4.5. Tout d'abord, on vient créer un nouvel instrument en cliquant sur « Nouveau » sur un des pupitres de la Metamallet. On vient nommer ce nouvel instrument, et un instrument par défaut est créé, afin de pouvoir s'inspirer de son fonctionnement. Pour aborder ce tutoriel, je vais commencer par effacer les variables et fonctions de cet instrument par défaut, pour repartir de zéro dans le moteur et la GUI de l'instrument. Voilà. Dans un premier temps, je vais m'occuper de la partie vidéo de l'instrument. Son but va être de visualiser un objet 3D que l'on va texturiser et animer dans la fenêtre de rendu de la Metamallet. Afin de représenter cet objet, nous allons utiliser un JGL model. Ici, la brique SDK GL Busout nous permet d'envoyer le signal d'horloge à l'objet JGL model. SDK model va nous permettre de sélectionner le fichier OBJ que l'on souhaite représenter et la brique SDK texture de sélectionner la texture qu'on va appliquer à l'objet. On vient maintenant créer les briques visuelles associées aux briques moteurs dans la GUI de l'instrument. Afin de pouvoir contrôler une grande partie des paramètres vidéo d'objets comme JGL Model, on utilise la brique SDK GL Param qui va générer automatiquement les briques SDK de ces paramètres. La brique GUI SDK GL Param étant grande, on place cette brique dans un sous-menu de la GUI. On place cette même brique dans le moteur, reliée à l'objet JGL Model. Chaque variable générée apparaîtra en GUI avec le nom de la variable suivie de Default Description. On peut changer ce nom directement via le colline de l'instrument. Dans ce cas-ci, on gardera en GUI les mêmes noms de variables, mais sans le Default Description. On peut maintenant tester la partie vidéo que l'on vient de créer. On sélectionne donc l'objet à représenter via la brique SDK GL Model GUI et la texture via la brique SDK Texture. On peut aussi constater l'effet de la brique SDK GL Param sur l'animation de l'objet. Pour plus de fluidité dans l'animation de l'objet, on vient rajouter un sous-patch permettant d'activer la rotation de l'objet en X, Y et Z automatiquement, et une brique permettant d'activer ou de désactiver la rotation automatique de l'objet. Comme précédemment, on vient reporter ces briques en GUI. On va vérifier le bon fonctionnement de ce que l'on vient de créer. Les briques SDK Model et SDK Texture ne doivent pas être dépendantes du déclenchement de l'image. On constate bien que le déclenchement de l'image fonctionne.
Maintenant, intéressons-nous à la partie audio de l'instrument. On va créer un exemple simple de modulation de fréquence où l'on pourra contrôler la fréquence porteuse de l'oscillateur, la fréquence de modulation ainsi que la profondeur de modulation. Dans le SDK de la métamallette, le signal audio est traité indépendamment de son volume. Par convention dans la métamallette, le volume est contrôlé entre 0 et 100%. Le niveau accepté dans la brique SDK Audio Hard doit être compris entre 0 et 1, c'est pourquoi on divise par 100 la valeur envoyée à la brique. Indépendamment de son volume, on souhaite pouvoir contrôler le déclenchement ou non du son, c'est pourquoi je viens créer ici la brique déclenche-son. On supprime à présent les briques SDK Audio In car notre instrument ne nécessite pas de récupérer le son en entrée de l'instrument. On crée maintenant trois variables pour contrôler la fréquence porteuse, le taux de modulation et la profondeur de modulation. On relie enfin le signal généré à l'inlet gauche des deux briques SDK Audio Out. Comme précédemment, on rajoute les briques que l'on a créées dans le moteur, dans la GUI de l'instrument. On peut déjà contrôler la partie audio que l'on vient de créer via la GUI. Voyons ce que ça donne. Maintenant, intéressons-nous au mapping de l'instrument qui va nous permettre d'assigner n'importe quel type de contrôle aux variables que l'on crée. On va créer un mapping pour la souris de l'ordinateur. On commence tout d'abord par les paramètres vidéo. On vient mapper les positions X et Y de l'objet avec la position X et Y de la souris dans la fenêtre de rendu de la métamallette. On va vouloir aussi contrôler le text map appliqué à l'objet avec la touche commande. Le déclenchement de l'image et du son se fera grâce au clic de la souris. Et maintenant, on va venir contrôler l'audio. La fréquence porteuse sera contrôlée par la position X de la souris et le taux de modulation avec la position Y de la souris. On peut dès à présent essayer l'instrument que l'on a créé. Dans cette vidéo, vous avez vu comment réaliser en peu de temps un instrument audio et vidéo avec le SDK de la métamallette. À vous de créer maintenant.